Prologue. Alex appuya sur l'accélérateur, ce qui permit à l'automobile d'avancer de quelques mètres avant d'appliquer à nouveau les freins pour une centième fois. En cette fin d'après-midi du mois de mars, l'obscurité envahissait le paysage, et les lumières blanches et rouges des véhicules immobilisés sur l'autoroute devaient être bien visibles par les hublots des avions qui survolaient la ville. Perdu dans ses pensées, Alex se remémorait sa journée au travail. Il se sentait désillusionné. Depuis plus d'une dizaine d'années qu'il travaillait pour cette entreprise, et malgré les perspectives fleurissantes des débuts, il ressentait une grande frustration à voir que tous ses efforts n'étaient pas appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il s'efforçait de satisfaire ses patrons, travaillant dur et ne refusant pas les heures supplémentaires. Mais rien de cela ne paraissait suffisant. Et il ne comprenait pas pourquoi des individus, qui n'avaient pas les compétences ni le même enthousiasme que lui, accumulaient les promotions que lui-même convoitait. Régulièrement, il était témoin de telles injustices au cœur de l'entreprise. Et pourtant, il ne demandait pas grand chose. Il espérait seulement être reconnu et rémunéré de manière juste en fonction de ses compétences incontestables et pour son dévouement. Une promotion lui serait tellement favorable, autant au point de vue professionnel que financier. Car, bien que la famille ait pu bénéficier d'un prêt pour acheter une maison en banlieue, les fins de mois étaient toujours des moments de grande tension. Toutes les dépenses de la famille le serraient à la gorge. Et l'insécurité de sa conjointe ne faisait qu'augmenter ses propres craintes. Et qu'arrivera-t-il en cas d'un accident grave? lui répétait-elle régulièrement. Car, comme pour la majorité des habitants de cette planète, les dolls ne possédaient pas d'assurance contre une incapacité à travailler. En fait, comme pour beaucoup d'autres personnes, les dolls n'avaient pas les moyens d'être malades, encore moins de perdre leurs emplois. Ils étaient obligés de travailler tous les deux pour pouvoir répondre aux contraintes exigeantes de leur mode de vie qui pourtant n'avait rien d'extravagant. Or, avant l'arrivée de leurs deux enfants, ils pouvaient se payer régulièrement des sorties et partir en vacances plus d'une fois par année. Mais maintenant, tout l'argent qu'ils gagnaient servait presque entièrement à payer les dépenses de survie de la famille, l'hypothèque, l'alimentation, les services publics, les véhicules, les écoles, les vêtements des filles, et le reste. Et le peu qu'ils pouvaient économiser servait généralement aux deux semaines de vacances familiales annuelles nécessaires, dans l'espoir d'oublier le bourbier dans lequel ils s'étaient enlisés malgré eux. Or, bien souvent, ces vacances se résumaient à de brèves sorties autour de la maison. Cette situation financière difficile affectait tous les autres aspects de leur vie. Leur relation amoureuse des débuts s'était peu à peu convertie en de fréquents affrontements, surtout lorsqu'il était question de l'argent. Leurs différents conjugaux affectaient les fillettes qui étaient devenues, elles aussi, plus agressives et, étrangement, étaient beaucoup plus souvent malades qu'auparavant. Finalement, la vie qu'avait rêvé le couple s'était transformée, au fil des années, en un véritable cauchemar. C'était d'ailleurs une raison de plus, pour Alex, d'accepter volontiers les heures supplémentaires qui lui étaient offertes. Il se sentait attrapé dans un cercle vicieux qui l'étouffait un peu plus tous les jours et duquel il n'en voyait pas la fin. Il en était venu à se demander si tout cela avait du sens. En observant le passager du véhicule voisin, le teint pâle, l'expression vide, il se reconnut. Était-ce vraiment cela le destin de l'être humain pensa pensa-t-il. Pour la énième fois, il ne put s'empêcher de récapituler ses observations de la vie. Ce que j'observe de la réalité, c'est que nous naissons, que nous souffrons et que nous mourons. Tant de fois, il avait essayé de trouver un sens à sa propre existence. À peine avait-il terminé ses études qu'il avait cru l'avoir trouvé dans le travail. Mais ça ne dura pas. Puis, lorsqu'il avait rencontré sa conjointe. Encore là, une fois les passions des premières années dissipées, il se retrouva de nouveau devant un vide. Et ce fut la même chose après l'achat de leur maison ou de toute autre chose qui put lui donner quelques moments de satisfaction. Finalement, L'arrivée des filles ne fit qu'accentuer son désir de trouver des réponses à ses questions. Il fut une époque où il était allé chercher des réponses dans l'étude et la pratique de sa religion. Cela l'avait aidé jusqu'à un certain niveau. Mais, comme il désirait aller au bout des choses, il s'était rapidement trouvé devant une série de contradictions auxquelles personne ne semblait avoir de réponse. Selon ce qu'on lui avait enseigné, il en était arrivé au raisonnement suivant. Dieu, qui se dit amour, veut que nous soyons heureux. Mais, au lieu d'inonder le monde d'amour, il en a fait un lieu de souffrance et de malheur. Cela est incohérent et ça n'a vraiment aucun sens. Comment peut-on être heureux tout en étant meurtri par tant d'afflictions S'il existe des personnes qui peuvent être heureuses au milieu des souffrances, moi, je ne le peux pas. Et je ne le veux tout simplement pas. Au fond de moi, je ressens du dégoût pour toute forme de souffrance. Tout au contraire, une voix intérieure crie mon désir de bonheur. J'ai l'impression qu'il me manque une information essentielle qui m'empêche de comprendre le sens de ma vie et d'en prendre le contrôle. Je me sens comme un aveugle qui ne sait absolument pas où il est ni où il va. Le bruit d'un klaxon se fit entendre derrière l'automobile d'Alex. Il ne s'était pas rendu compte que les véhicules devant lui avaient avancé. Comme un automate, il appuya sur l'accélérateur, puis sur le frein. Par les vitres de l'autobus qui le dépassa rapidement sur la voie réservée, il eut le temps d'entrevoir d'autres travailleurs abusés comme lui, cordés les uns contre les autres, qui regagnaient, eux aussi, leur domicile. Cette réflexion, il l'avait déjà eue dans le passé. À vrai dire, elle revenait le hanter de manière périodique, comme une sorte de crise existentielle cyclique. Généralement, cette période obscure de remise en question ne durait que quelques jours. Puis peu à peu, la vie quotidienne reprenait le dessus jusqu'à retrouver son rythme normal. Mais rien ne changeait pour autant. Au fil des années, les effets de ces crises se faisaient de plus en plus agressifs et toujours moins supportables. Devant l'intensité de son désarroi, Alex savait que le jour était venu d'affronter ce monstre qui le harcelait sournoisement. Sa propre vie et sa vie familiale en dépendaient. Cette fois-ci, il devait trouver les réponses à ses questions. Depuis l'adolescence, Alex avait pris l'habitude de traîner avec lui un carnet où il notait ses réflexions, ses questionnements et ses prises de conscience sur la vie en général et sur sa propre existence. Ces dernières journées, il y avait transcrit une série d'observations sur les incohérences de la vie. J'observe que c'est seulement quelques individus qui arrivent à améliorer leur situation de manière significative alors que la majorité des personnes ne semblent pas ou peut évoluer. J'ai connu des personnes qui ont travaillé très dur toute leur vie, et qui n'ont jamais connu la tranquillité d'esprit qu'offre une situation financière favorable, alors que d'autres n'ont presque pas fait d'efforts, et sont devenus prospères. Et pour ceux qui ont réussi leur vie, n'est-ce pas tout simplement un coup de chance? Car, il ne semble pas y avoir de lien constant entre les actions posées, et les résultats atteints. Comment se peut-il que deux personnes, qui agissent de la même manière, n'aboutissent pas au même résultat? Je connais des personnes compétentes et hautement scolarisées qui ont toujours eu de la difficulté à se trouver un emploi, et d'autres pratiquement sans éducation, et qui, pourtant, ont toujours eu du succès dans les affaires. J'ai connu des personnes qui avaient tout et qui étaient malheureuses, et des personnes qui avaient peu et qui semblaient heureuses. J'ai rencontré des êtres qui souffraient plus que moi, vivant des malheurs pires que les miens, et qui, pourtant, semblaient plus heureux que moi. Je remarque qu'après quelques années d'union, les conjoints paraissent ne plus s'aimer autant. Sommes-nous condamnés à perpétuer les erreurs et les malheurs de nos parents et des personnes provenant du même milieu social dans lequel nous naissons et grandissons En d'autres mots, qu'est-ce qui fait que la majorité des personnes qui naissent dans un milieu pauvre semblent condamnées à la pauvreté Une personne qui naît dans un milieu familial viole est-elle vraiment condamnée à cette même violence et sera-t-elle l'héritage qu'elle retransmettra malgré elle à ses propres enfants Depuis quelques semaines, son cahier s'était rempli de tels questionnements et de contradictions sur la vie. Chaque matin, il révisait son carnet en espérant qu'une illumination prenne forme dans son esprit. Alex pressentait bien que la vie ne devait pas être si compliquée. Et si toutes ces questions n'avaient qu'une seule réponse, pensait-il Au fond de lui, il espérait bien trouver cette information manquante qui serait tout expliquée. Il retrouva ses esprits. La masse de véhicules immobiles avait maintenant commencé à circuler. Enfin, il pouvait entrer chez lui. Et il se voyait déjà dans sa salle de séjour, étendu confortablement dans son fauteuil.